Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque un morceau qui m'intéresse énormément et qui me concerne beaucoup puisqu'il s'agit de Terramor. Terramor, on en avait, je vous l'avais pas mal teasé hein, cette vidéo, puisque on va revenir un petit peu sur l'ensemble de l'histoire de ce qu'est Terramor, hein, son origine, comment cette ville, cette cité naquit et ensuite son destin assez tragique. Donc on va revenir, et évidemment l'histoire de Terramor est très liée à Jaina, donc on va beaucoup parler de Jaina dans cette vidéo. Et pourtant Terramor est un pan très important de l'histoire qui au final couvre une grande période de la licence Warcraft, mais un lieu riche en rebondissements, mais malgré tout qui, nous le verrons, a été traité de manière un peu particulière. On en a déjà pas mal parlé dans la généalogie sur les humains, on en a déjà également parlé dans la vidéo sur Warcraft 3, notamment sur la fondation de Durantar, deux vidéos que je vous mettrai bien sûr en fiche et dans la description. Donc revenons un petit peu sur ce qu'est Terramor. Commençons par Warcraft 3, hein, les origines bien entendu de Jaina et de Terramor, puisque l'histoire de Terramor, comme je viens de vous le dire, est très 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 étroitement liée à Jaina. Jaina Proudmoor, hein, Jaina Port-Vaillant, qui est tout simplement à l'origine de la fondation de la cité de Terramor. Alors petit rappel d'ailleurs, hein, donc c'est avec la purge de Stratholme, donc les événements de Warcraft 3, lorsque Arthas détruit Stratholme et que Jaina lui tourne le dos parce qu'elle n'accepte pas ce qui est sur le point d'accomplir Arthas. Jaina, horrifiée par ce qui est fait par la suite, parce qu'elle revient à Stratholme mais elle découvre la cité en feu, à feu et à sang, hein, avec toute la purge qui vient d'avoir lieu. Arthas est parti au Northrend, hein, en Norfandre, et du coup Jaina, horrifiée, consulte Uther, et à ce moment-là, après leur petit dialogue, eh bien, il y a le prophète qui arrive, qui a caché sa véritable personnalité à Jaina. Ce prophète, c'est tout simplement l'esprit de Medivh, qui du coup, pour la première fois, s'adresse directement à Jaina, lui dit justement: pars vers l'ouest, amène les tiens avec toi, amène l'alliance avec toi, il faut fuir vers l'ouest, vers l'ancien continent de Kalimdor. Alors petit rappel d'ailleurs, puisque on pourrait dire que Jaina l'a suivi un peu aveuglément, Jaina avait pu voir déjà la discussion entre le prophète et Antonidas, son maître, et du coup Jaina était pas mal intriguée par les propos du prophète, et là, eh bien justement, elle comprend un petit peu que ce que disait le prophète semblait véridique, et du coup elle tend à l'écouter. Donc sur ses conseils, Jaina va rassembler le plus de monde possible, hein, de l'Alliance, hein, ce qu'on appelle également les restes de l'Alliance de Lordaeron, et elle va naviguer vers l'ouest, hein, vers les terres oubliées de Kalimdor. Jaina s'exécute et du coup arrive avec toute une flotte de l'Alliance. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle regroupe les rescapés, on va dire, les rescapés et des résistants des différents royaumes de l'Alliance. Donc Terramor, on n'y est pas encore, on est sur les balbutiements, sur l'origine, sur la création. Mais toutes les races, tous les membres de l'Alliance de Lordaeron vont partir vers l'ouest. Bien sûr, c'est pas l'ensemble des royaumes, hein, évidemment, mais une partie de chaque royaume qui va suivre Jaina dans sa pérégrination vers l'ouest. Donc Terramor est tout simplement le 8e royaume humain, né de l'union des 7 autres royaumes. On en avait parlé dans la généalogie sur les humains, mais du coup, Terramor, attention, ce n'est pas malgré le symbole de Terramor, Terramor n'est pas... souvent, j'ai tendance à le lire, c'est oui, Terramor, en fait, c'est juste Kul'Tiras, une nation fille de Kul'Tiras. Bah oui, les deux ont à peu près le même emblème, hein, cette encre. Et au final, pas du tout, hein, pas du tout. Terramor, c'est au contraire, il y a plus de Lordaeronais que de Kul'Tirasiens. Lordaeron, hein, la plupart des troupes viennent de Lordaeron, mais on a également, bien sûr, des humains d'Azeroth, hein, du royaume d'Azeroth, à savoir de Stormwind Hurlevent, hein, en gros, ceux de World of Warcraft. Gil'neas, évidemment, avec notamment, pour ce qui est de Gil'neas, c'est la brigade. En gros, c'est tout simplement ceux qui suivent Lord Crowley, donc vidéo sur Gil'neas. Il me semble que c'est la brigade de Gil'neas qui, le nom exact, parce que je confonds avec... Mais non, c'est la milice de Stromgarde et la brigade de Gil'neas. Donc c'est ça, la brigade de Gil'neas, donc des hommes rebelles contre le roi Greymane, le roi Gristet, et qui sont fidèles à Crowley, donc qui a toujours été plus touché par ce qui se passe à Lordaeron. Ils vont suivre Jaina. On a, alors ça pour le coup, c'est la nation sur laquelle je garde un point d'interrogation, c'est les Alteraki, on sait pas trop, mais... Peut-être que dans ses rangs, il y a forcément quelques Alteraki, des réfugiés ou autres, mais bon, c'est vrai que les Alteraki, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Pour Dalaran, bah Jaina, elle est originaire de Dalaran, hein, donc elle a ramené pas mal de monde avec elle, et on verra que Dalaran, c'est pas que des humains, c'est l'un des rares royaumes, hein, comme Terramor, à ne pas être spécifiquement
ou en tout cas principalement humain. Kultiras, bien entendu, de deux périodes, hein, d'ailleurs, Kultiras dès le départ, avec les troupes de Jaina, et surtout bien après, avec l'arrivée de son père, hein, Daelin, qui arrive avec énormément de Kultirasiens. Stromgarde, bien entendu, enverra aussi des troupes, hein, ce que je disais, la milice de Stromgarde, ou un autre nom, je sais plus si c'est la brigade de Stromgarde ou la milice de Stromgarde, enfin, en tout cas, il y a une partie de Stromgarde qui va là-bas, ce qui formera justement cette huitième nation, à savoir Terramor. Et du coup, le symbole avec l'encre, bah, c'est tout simplement pour représenter leur voyage, hein, le voyage qui a été fait par bateau, c'est l'exil, hein, c'est la marine de l'Alliance qui a permis de franchir le grand océan majeur pour pouvoir gagner Kalimdor. Donc le symbole de l'encre, c'est aussi le symbole du voyage, de l'exil. Même si évidemment ça peut avoir une attache personnelle vis-à-vis de Jaina, puisque bah, elle est issue d'une nation maritime, à savoir Kultiras. Mais attention à ne pas confondre Terramor et Kultiras. Terramor, ce n'est pas juste Kultiras, c'est tous les royaumes. Et également, allons plus loin, puisque Terramor, ce n'est pas qu'un royaume humain, je vous l'avais dit juste avant, tout comme Dalaran, c'est un royaume qui abrite en son sein plusieurs races, c'est-à-dire de nombreuses races, pas non plus abusées, mais plusieurs races. Et donc, par exemple, on a les survivants de l'Alliance de l'Ordéron, les humains, hein, que vous voyez au premier plan, mais juste en dessous, on voit aussi d'autres races que les humains, à savoir les Hauts-Elfes, et oui, évidemment, hein, les Hauts-Elfes, des Hauts-Elfes qui sont originaires de Dalaran, hein, bien entendu, mais aussi des Hauts-Elfes de Kel'Thalas, qui ne sont pas affiliés à Dalaran. On a bien sûr des gnomes dans l'ensemble, même s'ils ne sont pas très 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 nombreux sur le papier, il y a également bien sûr des gnomes dans le lot. On a ensuite les deux clans nains, avec les Wildhammer, donc les marteaux hardis, que vous voyez avec les griffons, et ensuite les Bronzebeard, donc les barbes de bronze, que vous avez tout simplement, hein, donc les nains d'Ironforge d'un côté, et les nains du Picaerie pour les Wildhammer, et les nains d'Ironforge pour les Bronzebeard. Donc ça représente justement vraiment l'ensemble de l'Alliance qui rejoint Jaina en Kalimdor. Donc Terramor, c'est pas... attention, hein, on revient à l'origine de Warcraft 3. Terramor, c'est donc une immense cité fondée sur la côte sud-est de Kalimdor. Probablement, alors là c'est complètement de la spéculation, hein, rien d'assuré, mais c'est possible que ce soit sur les restes de ce qui a été les avant-postes de l'Alliance quand ils sont arrivés. Le problème, c'est qu'à Warcraft 3, on suit un petit peu ce qui se passe. Le débarquement, on le suit plutôt du point de vue de la Horde. On découvre que les humains se sont installés. Mais au final, les humains, on sait qu'ils se sont installés à plusieurs endroits. Et peut-être que l'un de ces endroits deviendra la future Terramor. En tout cas, Terramor, à Warcraft 3, ce n'est pas une presqu'île, c'est une île. C'est une île à proprement parler. Dans World of Warcraft, ça devient une presqu'île. Mais à la base, dans War 3, c'est une île. Alors, c'est difficile de savoir du coup quelle source est gardée, parce qu'on revient jamais vraiment là-dessus. Souvent, ils disent l'île de Terramor malgré tout, malgré la forme de World of Warcraft. Mais c'est vrai que dans World of Warcraft, c'est pas vraiment une île, c'est plus une presqu'île. Donc, c'est un peu particulier. Mais à Warcraft 3, c'est une véritable île. Et surtout, il y a plusieurs missions dans la fondation de Durotar, là, dans la fondation d'Orgrimmar, dans la campagne, tout simplement, de Frozen Throne pour la Horde. Eh bien, vous voyez la taille de Terramor et vous vous rendez compte que c'est une cité gigantesque. Hein. C'est censé être, du coup, ce qui abrite, encore une fois, des peuples très différents et quand même pas mal de monde. Et Jaina, du coup, cette ville sera encore plus agrandie à la fin de Warcraft 3, une fois que la bataille du Mont Igel est gagnée. L'Alliance, les restes de l'Alliance de l'Ordéron, donc les réfugiés, s'établissent du coup dans la ville qui deviendra Terramor, sur l'île qui est Terramor. Et à ce moment-là, Jaina devient la dirigeante de dizaines de milliers de personnes. Hein, donc ça représente un sacré paquet de monde. Hein, et ça, c'est quelque chose de super important parce que ça devient en fait l'avenir de l'Alliance et l'humanité. Hein. De l'autre côté, c'est compliqué. Hein. De l'autre côté, les royaumes de l'Est, le continent de Lordaeron, Lordaeron est en ruine, Kel'Thalas est en ruine, Dalaran est en ruine. Gil'neas n'est pas très fier de ce qui se passe, Stromgarde est en ruine, Alterac est en ruine, il n'y a plus beaucoup de royaumes humains debout, hein, donc c'est assez compliqué, même pour les elfes, hein, Kel'Thalas c'est la fin, les nains s'en sortent pas trop mal, mais bon, c'est la deuxième guerre, c'était plus dur pour le coup, mais les nains ça va à la limite, même s'ils ont perdu aussi beaucoup de monde, hein, dans les conflits de la troisième guerre.
Donc ça devient vraiment l'avenir de l'humanité, mais ça devient aussi l'avenir de l'Alliance. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que Terramor est très développé à Warcraft 3, avec... après, on est du point de vue de la Horde, mais on la voit extrêmement développée. On voit également qu'il y a des dissensions au sein de l'Alliance, avec certains... L'arrivée de Daelin Pronmore va changer beaucoup de choses. Daelin qui prend la tête de Terramor pendant un temps, en faisant un coup d'état, en écartant sa propre fille, pour instaurer la loi martiale, et du coup, il devient le seul décisionnaire de Terramor. Et impose une vision très Warcraft 2, très Deuxième Guerre, hein, une vision très conservatrice, avec cette volonté de repousser les orques, etc., etc. Donc, très raciste à l'égard de la Horde, hein, bien entendu, hein, Daelin. On en fera probablement un jour une vidéo spécifique à Jaina, où on rentrera plus dans ses relations avec son père. Là, c'est pas vraiment l'objet, mais c'est quand même une période importante, puisque Terramor va devenir foncièrement anti-Horde, dans ce court laps de temps, puisque le décisionnaire veut relancer les conflits hors d'alliance. Jaina, elle, on va revenir un petit peu dessus après, mais Jaina, elle vient de remporter, une vidéo sur Warcraft 3, elle vient de remporter la bataille du Mont Igial, la seconde invasion de la Légion Ardente a été repoussée, et ça s'est fait main dans la main, sous les conseils avisés de Medivh. Thrall et Jaina sont devenus amis et ont combattu côte à côte, faisant face à la marée des ténèbres qui envahissait le monde. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et au final, ce point de vue-là, on l'a dans Warcraft 3 avec la fondation de Durotar, mais on a également dans l'univers étendu entre Warcraft 3 et WoW, avec notamment le jeu de rôle Warcraft et l'un des premiers romans World of Warcraft, à savoir le Cycle de la Haine, qui est justement basé sur vraiment l'Alliance de l'Ouest, qu'on va appeler l'Alliance de l'Ouest, parce que même si le jeu de rôle, lui, ne rentre plus dans le canon, alors il y a énormément de points du jeu de rôle qui sont canonisés par la suite, mais le jeu de rôle en lui-même n'est plus dans le canon officiel. Et par contre, le Cycle de la Haine, lui, il est totalement canonique, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et justement, ces manuels-là, ce roman et ce manuel dépeignent une cité gigantesque, avec des dizaines et des dizaines de milliers d'habitants, hein, comme tout simplement c'était montré dans Warcraft 3. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une vision qu'on a oubliée un petit peu avec le temps, hein. World of Warcraft a très bien fait les choses pour ne pas avoir l'impression d'une cité gigantesque. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que voilà, la nation de Terramor est en paix avec la Horde, pendant 3 ans en fait, hein, depuis la bataille du Mont Igial, même un peu avant d'ailleurs, hein, mais bataille du Mont Igial, ça c'est vraiment chronologiquement, c'est où c'est, bataille du Mont Igial, victoire de l'Alliance et de la Horde du coup, ainsi que des Elfes de la Nuit sur les démons, avec du coup World of Warcraft Vanilla qui commence 3 ans après. Donc pendant ces 3 ans en fait, il y a la paix, il y a certes des tensions territoriales entre la Horde et l'Alliance, mais... Je rappelle qu'on parle bien de l'Alliance de Terramor, donc l'Alliance de l'Ouest, les restes de l'Alliance de Lordaeron, tout simplement. Donc, des tensions territoriales, on va y revenir après, il y a un endroit très important là-dessus, c'est Guet du Nord, mais qui reste justement une épine un peu dans le pied de la Horde. Donc il y a des bases de l'Alliance qui sont très proches, forcément il y a deux territoires qui sont voisins, forcément il y a des petites tensions territoriales, mais globalement, hein, c'est la paix entre l'Alliance et la Horde, tout se passe bien, etc. Et j'en reparle, mais d'ailleurs dans le jeu de rôle de Warcraft, si vous jouez Alliance, vous n'êtes pas de l'Alliance, ça c'est un truc qui chamboule dans la tête beaucoup de gens, parce que quand vous jouez à World of Warcraft, vous jouez les humains de Stormwind, les humains d'Hurlevent, les humains du royaume d'Azeroth. Mais dans le jeu de rôle de base, en fait, de Warcraft, quand vous voulez jouer humain, c'est des humains de Terramor. Et ensuite vous choisissez votre royaume, vous êtes potentiellement originaire de Stormwind, d'Hurlevent, vous êtes potentiellement originaire de Lordaeron, vous êtes potentiellement originaire de Dalaran, de Kul Tiras, etc., etc. Mais vous êtes des humains, et en gros, tout se passe sur Kalimdor. Est-ce que c'est l'Ouest? C'est là où la Horde et l'Alliance sont. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant au final. Et au final, donc comme je le disais, il y a des tensions également sur les zones de pêche, les zones boisées, la qualité du bois parfois est un petit peu rétorquée. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que dans le JDR, il est considéré que le bois des Barents, le bois des Tarides, le bois de Durotar est de meilleure qualité que celui du marécage d'Aprefange, là où est situé hein, The Swallow, où est situé Terramor. Et ce qui est assez intéressant, parce que ça sera l'un des justificatifs pourquoi la Horde attaque l'Alliance à World of Warcraft, hein, l'idée qu'ils doivent aller chercher du bois de meilleure qualité à Ashen Vale. Donc on oublie qu'en fait les orques ont du bon bois, c'est assez drôle. Tension raciale également, entre évidemment hein, territorial et racial, hein, y a des restes, hein, on n'arrive pas à balayer une inimitié aussi importante entre les races d'un revers de la main comme ça, donc forcément il y a encore des petites tensions, et même au sein
de l'Alliance, il y a des soucis, hein. Terra Mort en tant que métropole connaît également des problèmes internes, hein, avec d'anciens partisans de Dailin, hein, bien sûr, alors qu'ils n'étaient pas forcément tous des cultirassiens. Je veux dire, des vétérans humains, elfes, nains qui ont combattu la Horde, qui ont vu les horreurs de la Horde, de la Deuxième Guerre, certains même de la Première Guerre. Alors bon, ils n'étaient pas de l'Alliance à ce moment-là, mais ils sont dans l'Alliance aujourd'hui. Des humains, par exemple, du Hurlevent, qui ont vu leur ville brûler, etc., qui ont dû être exilés. Forcément, ils l'ont un peu mauvaise, donc ils apprécient pas tout ça. Et en plus de ça, bah, y a des rivalités entre les anciens royaumes humains. Par exemple, l'Horde et Ron Stromgarde ont eu des énormes problèmes entre la Deuxième et la Troisième Guerre. J'y reviendrai un jour en vidéo, notamment avec le Jour du Dragon. Mais il y a eu aussi des tensions entre les royaumes, certains ne peuvent pas se saquer en fait. Hein. Des Alteraki par exemple vont être très probablement victimes d'attaques, hein, parce que bah voilà, le royaume traître, tout ça. Mais il y a également du racisme, hein, ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans World of Warcraft aujourd'hui, mais il y a énormément de racisme aussi entre les humains et les nains, les humains et les elfes et les humains, les elfes et les nains, et les nains et les elfes. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant dans le jeu de rôle qui malheureusement n'est pas trop appuyé par la suite. Donc Terra Mort, malgré tous ces problèmes, Terra Mort reste le phare de l'humanité et l'avenir de l'Alliance. Hein. Il est vendu comme ça dans Warcraft 3, il est vendu comme ça dans l'univers étendu. C'est vrai, sauf que avec World of Warcraft, Terra Mort va être complètement rétrogradé et remis au second plan, hein, parce que rétrogradé, hein, puisque l'Alliance va être représentée par Stormwind, hein, donc par le royaume d'Azeroth. Et donc, bah, c'est vrai que Terra Mort est un petit peu perdu, hein, c'est un petit peu compliqué, et c'est ce qui fait que dans WoW, la cité gigantesque dépeinte dans l'univers étendu, notamment encore une fois dans le livre Cycle de la Haine, ou ce qu'on a pu voir à Warcraft 3, eh bah, ça devient plus une île vraiment dédiée, spécifique, très très grande, mais une presqu'île, hein, y a juste un pont qui sépare le continent de l'île, et au final, et c'est pas un pont gigantesque, hein, c'est un tout petit pont, et au final, la ville en elle-même, d'un point de vue texture, est un recyclage du port de Ménéthil. Donc c'est un petit port, ce qui semble être un petit port de pêche, hein, aux yeux de pas mal de joueurs. Et statut de Terra Mort, il est vraiment très très bâtard, hein, c'est très particulier, parce que vraiment, c'est une contradiction permanente, hein, qui concerne Terra Mort, avec un respect difficile. Après, on peut pas trop en vouloir à l'origine, enfin si, on peut en vouloir parce qu'ils auraient pu juste se concentrer sur Kalimdor, mais du coup ça voudrait dire pas de fanservice avec le Royaume de l'Est, donc c'était assez compliqué pour ça. Et au final, bah, Terra Mort, elle se fait expulser en fait, hein, avec l'arrivée de World of Warcraft, elle se fait expulser, elle a un statut très particulier, elle n'est plus le centre et l'avenir de l'Alliance telle qu'elle était écrite avant. Elle ne devient qu'un avant-poste en fait, hein. Elle ne devient qu'un avant-poste. On ne renie pas le côté important qui a été défini dans Warcraft 3, l'univers étendu, mais on minimise à la fois volontairement et involontairement. Involontairement pourquoi? Parce que bah, à l'époque, c'est vrai que ils ont dû sortir World of Warcraft très 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 vite. Il n'y avait pas les moyens qu'on peut avoir à l'heure actuelle. On a eu les yeux un peu plus gros que le ventre du côté de Blizzard, donc forcément on veut sortir beaucoup de choses. Et au final, bah, il y a un gros gros problème d'échelle, hein, sur World of Warcraft. Je ferai une vidéo aussi un jour là-dessus. Il y a un énorme problème d'échelle. Et du coup, tu peux pas foutre des Hurlevents partout, tu peux pas foutre des Stormwind comme ça partout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat, et Terra Mort va être sacrifié au profit d'autres développements, au profit d'autres villes. Le truc, c'est que c'est aussi minimisé volontairement. Pourquoi? Par fanservice, puisque il faut absolument intégrer les royaumes de l'Est et les endroits qui sont tout simplement connus des joueurs, hein, Lord Aeron, Ironforge, Kazmodan, Stormwind, etc., etc. Le truc, c'est que c'est aussi minimisé volontairement. Pourquoi? Parce que World of Warcraft, on s'inscrit, hein, vidéo sur Vanilla, on s'inscrit dans une logique de guerre entre la Horde et l'Alliance. Ce qui est très drôle, parce que la cinématique le dit très bien, hein, les tambours de guerre résonnent à nouveau, etc. Et pourtant, tu ouvres le manuel et tu regardes, tu lis les quêtes de World of Warcraft Vanilla, c'est pacifique. C'est encore la paix. C'est juste qu'il y a des escarmouches, des conflits à droite, à gauche. Et oui, il faut justifier le PVP. Donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'au final, on revient à une logique Warcraft 2, en fait. Horde versus Alliance, c'est Warcraft 2. Warcraft 3, au contraire, rejoue à Warcraft 3. Il y a bien sûr des moments d'affrontement, etc. Mais justement, tout le message de Warcraft 3, c'est faut arrêter les combats à la con, et il faut s'unir face à quelque chose de beaucoup plus violent, et peut-être qu'il faut tourner les horreurs du passé, peut-être qu'on peut tous les deux avancer, on aurait tout intérêt à avancer, et aller de l'avant. Et au final, World of Warcraft est un retour en arrière, puisque bah, la thématique, c'est beaucoup plus Warcraft 2. Donc Warcraft 2, ça veut dire bah, revenir sur les anciens royaumes, notamment Stormwind. On y reviendra juste après. En tout cas, il y a aussi un point qui est assez intéressant avec World of Warcraft Vanilla, hein, l'arrivée des Elfes de la Nuit, qui intègre l'Alliance. Hein, donc les relations avec Terra Mort, on pourrait dire que c'est Terra Mort
Terra Mort aurait pu être au centre pour expliquer que l'Alliance intègre les Elfes de la Nuit. Absolument pas, hein, les Elfes de la Nuit, il n'y a aucune justification de l'entrée des Elfes de la Nuit dans l'Alliance. Et en plus, bah, les Elfes de la Nuit du coup intègrent l'Alliance qui n'est pas l'Alliance de Jaina, pas l'Alliance de Terra Mort, l'Alliance de Lordaeron, mais l'Alliance de Stormwind, l'Alliance d'Hurlevent. Sans aucune explication, hein, sans aucun contexte, je vous laisse aller faire les quêtes de Vanilla des Elfes de la Nuit pour voir s'il y a une justification quelconque sur l'intégration des Elfes de la Nuit dans l'Alliance. C'est simple, Evanessor l'a fait, hein, y a absolument rien du tout, il l'a fait en live d'ailleurs, hein, donc y a absolument rien concernant l'intégration des Elfes de la Nuit, et aucun lien avec Terra Mort également. Le réel problème de Terra Mort, encore une fois, c'est son statut vis-à-vis de la Horde. On n'est pas dans l'esprit souhaité de World of Warcraft. Warcraft 3 avait réussi à mettre... alors c'est évidemment un fan art, hein. Qu'on soit clair, hein, y a pas eu de... c'était une grosse théorie de fan à Warcraft 3, l'idée que Jaina et Thrall puissent finir en couple. Mais on n'est pas du tout dans l'esprit souhaité de World of Warcraft, qui veut un retour au conflit hors d'alliance à l'ancienne. Donc on se veut PVP, retour à un contexte plus proche de Warcraft 2, donc Exit, la paix, l'alliance possible entre les orques et les humains, entre la Horde et l'Alliance. Et le cœur de l'Alliance jouable se déplace, hein, on n'est plus en Kalimdor avec Terra Mort, mais on se déplace totalement vers Stormwind, hein, vers le royaume d'Azeroth, qui est absente, hein, du récit depuis Warcraft 2 d'ailleurs. Hein, dans Warcraft 3, on entend parler un petit peu de Stormwind, mais surtout dans le manuel d'ailleurs, mais sinon, que dalle en fait, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc là vous voyez vraiment la volonté de revenir à l'esprit de Warcraft 2. D'où le statut très étrange de Terra Mort dans World of Warcraft, dans la licence, puisque c'est à la fois un invité qui est indésirable, hein, qui ne correspond pas aux attentes qu'on a, à la volonté des scénaristes de retourner sur du Warcraft 2, mais d'un autre côté on peut pas la congédier parce que bah, Terra Mort est beaucoup trop importante dans le récit. Et c'est cette fameuse reprise des conflits à Vanilla, hein, bien sûr, bah, pas vraiment, encore une fois c'est la paix, hein, je vous laisse aller voir les quêtes, hein, notamment les quêtes de Swallow, hein, on voit, il le précise, c'est toujours la paix entre l'Alliance et l'Horde. Et d'ailleurs le manuel de Burning Crusade le reconfirme, c'est toujours la paix, et tout ce qui s'est passé à Vanilla, il y a eu quelques petites escarmouches, mais la paix est conservée. Et au final, d'un point de vue du récit, il faut attendre Wrath of the Lich King, le début de Wrath of the Lich King, l'Alliance et l'Horde sont encore en paix, c'est vraiment avec le portail du Kourou et les événements qui arrivent après, qu'on a vraiment lancement des hostilités à grande échelle entre la Horde et l'Alliance. Donc, c'est vraiment la paix, malgré ce que dit la cinématique de World of Warcraft Vanilla. Donc, le statut de l'Alliance de WoW est mis en péril aussi par Terra Mort, par l'existence de Terra Mort. Ça fait qu'il y a deux alliances, en fait, qui s'établissent, qui se précisent. L'alliance d'un côté de l'Ouest, qu'on appellera l'Alliance de l'Ouest, hein. C'est pas son titre officiel, hein, justement, parce que Blizzard essaye de noyer le poisson à ce niveau-là, mais... pour que ce soit plus simple pour vous, il y a l'Alliance de l'Ouest avec Terra Mort et l'Alliance de l'Est avec son cœur, le Royaume d'Azeroth, donc Stormwind. Sauf que, encore une fois, le petit bémol, c'est que... Comment on fait, hein ? Si vous jouez humain, vous pouvez pas commencer à Terra Mort ou quoi que ce soit. Donc c'est très compliqué, ça fait qu'il y a une présence de deux alliances un petit peu... Et d'ailleurs, c'est assez appuyé par quelques récits, notamment dans les comics, on voit bien que Jaina reste malgré tout neutre et ne veut pas interférer. On voit d'un côté Varian versus Thrall, et on a au milieu de Jaina qui est en mode non. Donc on a quand même cette présence, même si on essaye de gommer un petit peu le statut de Terra Mort, on a encore cette neutralité, ce bloc, mais bien sûr qui est ridiculisé, on va dire minimisé, hein. La ville dans les comics, bah, c'est celle de WoW, donc elle est toute petite, il n'y a rien du tout. Donc on essaye de mettre ça un petit peu sous le tapis. D'ailleurs ce qui est très drôle, c'est que si vous regardez, quand vous lancez le mode PVP ou quoi que ce soit, le symbole de WoW, et d'ailleurs sur le site officiel, hein, les humains, ça revient dans la même ligne, hein, les humains de Stormwind, les humains d'Hurlevent, sur le site officiel, quand vous allez voir, c'est quel symbole au milieu? C'est pas le symbole, c'est pas le lion, hein, c'est pas le symbole, et ça le lion pourquoi? C'est le symbole du royaume d'Azeroth. Pourquoi il n'y a pas le lion du coup? Bah c'est pas le lion. C'est le L de Lordaeron avec le joli logo de Warcraft 3. Sauf que spoiler, l'alliance de Lordaeron, c'est pas Vanilla, enfin c'est pas celle de Vanilla, c'est pas Stormwind. Les représentants de l'alliance de Lordaeron, ils sont à l'ouest, ils sont avec Jaina, ou sinon c'est les réprouvés. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le L sur le bouclier de l'Horde de Vanilla, parce qu'il y a le L de Lordaeron, parce que c'est les réprouvés en fait. Donc c'est très très vicelard en fait, c'est très pernicieux. Et au final, eh bien, l'après-Vanilla va continuer d'alimenter ce flou scénaristique avec
puisque bien qu'Alliance, hein, Terra Mort forcément égale Alliance, Terra Mort continue de se proclamer neutre, comme je le disais, hein, encore une fois dans les comics de Varian, mais vous pouvez aussi les voir dans la cinématique d'Ulduar, par exemple à Wotelka, où encore une fois Jaina arrive avec Dalaran en tant que neutre, en tant qu'ambassadeur, en tant que médiateur, pour essayer de calmer les tensions de l'Alliance de Varian et de la Horde de Thrall. Et le statut de Terra Mort, il va faire que jongler en permanence comme ça. Oui, on est Alliance, donc on est opposé à l'Ordre, mais d'un autre côté, on n'est pas vraiment l'Alliance, parce qu'on est neutre. C'est très 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 particulier, et ça va jongler comme ça, et ça va donner une sacrée migraine et un sacré vertige. Et en plus de ça, bah, Terra Mort à Burning Crusade ne va pas être développé un seul moment. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose de toute façon qui est développé à Burning Crusade sur Azeroth. Pour ce qui est Wotelka, bah, là, il y a des choses quand même qui sont développées, notamment Undercity, tout ça, mais pour ce qui est de Terra Mort... Pas de changement à ce niveau-là. Le pire étant Cataclysme. Cataclysme arrive, et là on est sur le chat de Schrödinger complet, hein, Terra Mort, le statut est formidable. Hein. On est Alliance d'un côté, on est neutre, puis on est Alliance, puis on est neutre, puis on est Alliance, puis on est neutre. Sauf que c'est pas possible en fait. Là on est dans un conflit ouvert entre Horde versus Alliance. Donc si Terra Mort est présent au sein de l'Alliance contre la Horde, bah, ils peuvent pas être neutres. Et quand ils se proclament neutres, pourquoi s'ils sont neutres, pourquoi il y a les armées de Terra Mort avec les jolis logos, hein, blanc et l'encre jaune, qui se battent au sein de l'Alliance? C'est juste pas possible. Et c'est pourtant jamais contredit, jamais remis en question. C'est un endroit neutre, mais engagé militairement pour une force, à savoir l'Alliance. Ça n'a aucun sens. Si vous allez au Gué du Nord, et vous pouvez y aller encore, hein, c'est les territoires de Cataclysme, si vous allez à Gué du Nord, les troupes n'ont que le Tabard de Terra Mort. Et c'est le même que les troupes de Terra Mort. Si vous allez dans du Swallow, donc dans le marécage d'Aprefange, c'est des troupes de Terra Mort. Quand vous allez au sud des Barrens, vous avez des troupes de l'Alliance régulière, mais vous avez aussi des troupes avec le Tabard de Terra Mort. Et donc vous êtes là, mais vous êtes neutre et vous proclamez neutre, mais d'un autre côté, bah, vous allez trucider des orques. Et du coup, on pourrait se dire, bah, ça fait partie d'une idée, ça fait partie d'un plan. Peut-être que tu nous parlais, Malga, de dissension au sein de l'Alliance, peut-être qu'ils sont revenus là-dessus, au sein de Terra Mort, pardon, enfin de l'Alliance de Terra Mort. Donc peut-être qu'il y a des dissensions et que Jaina n'arrive pas à contrôler tout le monde. C'était l'un des grands objets du jeu de rôle, effectivement. Sauf que pas du tout. La cerise sur le gâteau, c'est le livre. J'ai fait une vidéo complète dédiée au déferlement, je vous invite à la regarder. Je vais être obligé de parler des événements, puisque ça concerne Terra Mort, bien sûr. Mais j'irai pas dans le détail, je vais surtout narrer les événements. Mais vraiment, allez voir la vidéo sur le déferlement. C'est un livre qui est vraiment très très mal écrit, pour le coup. Et du coup, bah, par exemple, dans ce livre, on rappelle bien que Terra Mort est neutre, que Jaina est totalement neutre. Et à ce niveau-là, on n'essaye jamais de nous teaser le fait qu'il y a des dissensions au sein de Terra Mort, que tout le monde n'est pas d'accord ou quoi que ce soit. Non, 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 Jaina, elle maîtrise tout, et l'univers, enfin, on est au niveau de l'écrivain, on est sur un narrateur omniscient, et il nous parle bien du fait que oui, Terra Mort est neutre, il n'y a pas de problème. Et pourtant, on n'invalide pas la présence de Gaynor, parce qu'on aurait pu dire, bon bah, Gué du Nord, c'était du gameplay, tout ça, on aurait pu nous dire, non, non, mais Gué du Nord, en fait, c'était la marine de l'Alliance, c'était pas... Le mec, c'est directement un sous-fifre de Jaina, donc c'est extraordinaire. Donc Gué du Nord et Fort Triomphe, qui est au sud des Barents, hein, sont bien des places fortes de l'Alliance sous le commandement de Terra Mort. Donc les mecs sont en guerre ouverte avec la Horde, mais ils sont neutres. C'est n'importe quoi, et Jaina ne change pas sa politique, hein. Elle est toujours... On retrouve la Jaina de Warcraft 3, hein. La paix, elle veut en mettre en œuvre avant, par la diplomatie, avant de rentrer en guerre, etc. Ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et on pourrait imaginer, encore une fois, qu'il y a des dissensions au sein de Terra Mort, hein. C'est d'ailleurs un petit peu le cas aussi avec les quêtes de Vanilla et de Cataclysme dans du Swallow. Vous avez justement des troupes qui sont pas tout à fait d'accord avec Jaina. Mais au final, c'est quelques personnes isolées. Mais dans le livre, il y a absolument... C'est même pas mentionné en fait. Et dans le livre, dans les quêtes, c'est quelques petits gars isolés. Et au contraire, justement, les forces de Terra Mort vont écarter ces mecs-là. Parce que bah, ils foutent le bordel. Et on n'a aucune remise en question. C'est vraiment... Parce qu'en fait, bah, Cataclysme va reprendre les quêtes de Vanilla à ce niveau-là. Sauf qu'au final, bah, il les canonise, bien entendu. Et du coup,
Bah en fait t'as les quêtes de Gué du Nord où tu vois que Gué du Nord et la Horde ils sont complètement à couteau tiré. Pareil avec Fort Triomphe, mais quand tu vas à De Swallow, non non c'est encore la paix. Attends, mais n'importe quoi. Et Gué du Nord sert bien sûr de carrefour d'invasion pour l'Alliance au niveau de l'Ouest, ainsi que le Fort Triomphe qui est l'un des avant-postes de l'Alliance. Donc on est vraiment sur une guerre ouverte. En fait les quêtes des Barrens c'est Gué du Nord. Alors Gué du Nord je crois que côté Alliance tu peux pas vraiment le voir, mais vous pouvez y aller bien sûr. C'est vraiment guerre ouverte. On est dans le climat, on est dans le dans la situation de guerre ouverte. Mais dans le déferlement, pas de problème. Je rappelle que le déferlement, ça explique la chute de Terramort, hein, et on vous parle jamais de ça. Vraiment jamais. Et encore une fois, narrateur omniscient qui vous dit non, 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 mais c'est la paix, hein, y a pas de problème. Jaina prône la paix. C'est vraiment la Jaina de War 3, hein, c'est pour ça que je vous ai mis cette image. C'est vraiment la Jaina de War 3. Elle est inquiète des tensions croissantes entre la Horde et l'Alliance. Ah bon? Bah, pas de soucis, pas de soucis. Et encore une fois, on pourrait se dire non, non, c'est des, y a des dissensions, il y a des officiers qui lâchent des trucs, mais non, 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 point de vue omniscient. Donc le narrateur nous décrit les faits et il n'est jamais fait mention de traître ou juste de petits soupçons de traîtrise ou d'officiers qui agissent dans son dos, absolument pas. Et elle, elle s'inquiète des montées croissantes. Mais Cataclysme, ça dure 2 ans dans l'histoire. Mais Cocotte, c'est la guerre depuis 2 ans, connasse! Il y a tes propres troupes qui sont en train d'envahir Durotar. Vous avez littéralement à Durotar Tiragarde, qui à l'époque était des restes des troupes de Daelin avec le tabard de Kul Tiras. C'est même le donjon de Tiragarde. Maintenant, vous savez ce qu'est Tiragarde si vous avez joué à BFA. Tiragarde, le donjon de Tiragarde à Durotar et l'endroit où il y avait les centaures avant. Maintenant, c'est des troupes de Terramor. Ils sont littéralement en train d'envahir. Et ça, c'est pour faire écho, bien sûr, à Warcraft 3. On rappelle, on réutilise, on prend les faits, on prend la forme, mais on vide le fond, bien entendu. C'est pour faire hommage à Warcraft 3 avec les troupes de Terramor qui attaquent. Ouais, mais Coco, ça marche pas ici, en fait. Et du coup, là, on se dit, mais Jaina, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Et là, je peux vous dire qu'à ce moment-là du bouquin, j'ai envie de tuer la plupart de tous les personnages présents dans le bouquin. J'ai envie de tuer les rédacteurs du bouquin, hein. C'est pas que Christy Golden, je sais qu'il y en a beaucoup qui haïssent Christy Golden, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, alors que c'est un ensemble, hein. Christy Golden est l'auteur, mais il y a des personnes au-dessus qui disent non, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça. Et ensuite Christy Golden doit le mettre en page, donc c'est limite celle qui a la tâche la plus difficile. Et puis il y a plein d'autres personnes qui sont autour de la rédaction de ce bouquin. Et t'as envie de tuer toutes ces personnes-là. Alors c'est pour rigoler, hein, bien sûr, on va pas vraiment les tuer parce que aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait des menaces de mort sur Twitter, ça paraît être normal, je préfère le rappeler, moi c'est pour rigoler que je dis ça. Mais à ce moment-là du bouquin, j'avais envie de fracasser tout le monde, hein. Les personnages, Blizzard, et même les joueurs, hein, parce que ce bouquin, c'est que des clins d'œil joueurs, hein, t'aimes bien ça, j'avais envie de tuer tout le monde. Du coup, ça m'a bien énervé. Et justement, dans le bouquin, Jaina, dans son registre habituel de pacifiste, convaincue, va chercher à contacter Thrall en secret afin de le convaincre d'agir contre Garrosh, hein, qui ne fait que aller sur le chemin de la guerre, hein, face à l'Alliance. Mais Thrall, et il était déterminé à continuer son travail au cercle terrestre, hein, pour guérir le monde. Hein. Spoiler, c'était déjà fait. Bon, on est plus dans dans le maintien. Donc le cataclysme est fini, hein, mais il veut continuer son travail au cercle terrestre, hein, malgré le côté intérim que devait avoir Garrosh en tant que chef de guerre de la Horde, hein, qui était défini dans Prélude au Cataclysme. Mais le côté intérimaire, assez chiant, donc on le met à côté. Et au final, Thrall, en fait, il est mis de côté pour que Garrosh puisse continuer de foutre le bordel. On veut du conflit hors d'alliance, bien entendu. Donc là, encore une fois, au niveau de ce bouquin, quand j'ai envie de charger instantanément Thrall et Jaina tel un War Fury, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un énorme problème. Suite aux actes de cataclysme, du coup, évidemment, la guerre continue entre la Horde et l'Alliance, mais Garrosh veut aller encore plus loin. Il a pour projet de conquérir l'ensemble de Kalimdor, hein, qu'il juge être son continent à lui, hein, bien entendu, en dégageant les elfes de la nuit qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années. Il n'y a pas de souci, hein, les elfes de la nuit ne sont pas chez eux, on est chez Garrosh, hein, bien entendu. L'espace vital, hein, tout ça, tout ça. Et du coup, il veut dégager Kalimdor de toute présence de l'Alliance. Donc ça passe par les elfes de la nuit, mais évidemment, Terramor. Puis on rappelle que Garrosh, il en a mauvaise, hein, contre les elfes de la nuit, puisqu'il s'est pris une peignée en essayant de les envahir. Bon, il a réussi à pas mal tué, massacré sur le chemin, donc ça va. Mais c'est une défaite militaire pour la Horde, hein, l'invasion d'Ashen Vale, hein, l'invasion d'Orneval. Donc il se tourne vers Terramor. Et Terramor qui pour lui, bah, c'est, hein, une plateforme de l'Alliance. Et on pourrait, là, pour ce sujet-là, on pourrait ne pas trop lui en vouloir. Parce qu'il fait, enfin, attention à pas dire ce que j'ai pas dit.
Mais bah c'est vrai que le statut est très très particulier de Terramort, donc oui, c'est Alliance, hein, ça c'est sûr. Mais ça va d'ailleurs surprendre dans le bouquin les dirigeants de Terramort qui ils ont assuré leur neutralité pourtant! Bah ils sont neutres! Et c'est tout le paradoxe, hein, toute l'incohérence, car l'histoire donne l'impression vraiment que l'engagement des forces militaires dans l'Alliance semble ne pas exister. Sauf que si, en fait. Et même le livre, on pourrait dire, ouais, le livre, bah, il retconne Guy du Nord et tout. Non, 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 au contraire! Il affirme bien, Guy du Nord est toujours là! Donc, donc c'est pas possible en fait, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et on ne peut pas omettre de toute façon cet élément, si on est droit dans ses bottes, on ne peut pas omettre cet élément. Ce n'est pas de l'hypocrisie de Jaina, ça le pire en fait, ce n'est pas de l'hypocrisie de la part de Jaina, non non, c'est juste que l'histoire ne l'implique jamais dans les décisions vis-à-vis de l'invasion de l'Alliance à Guée du Nord et autres. Hein, on peut parler de Thorajo aussi, hein, là où c'est des troupes de Terramort et de l'Alliance qui ont détruit des Tauren et un camp de Tauren. Et ils en parlent d'ailleurs dans le déferlement, bien sûr. Mais Jaina, pas du tout impliquée par ça. Non, non, c'est toujours la paix, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le chat de Schrödinger, mais version Terramort, quoi. Il est là, mais il n'est pas là. Alliance, mais neutre. Mais Alliance, mais neutre. Mais Alliance, mais neutre. Et Anti-Horde, mais neutre. Mais Anti-Horde, mais neutre. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qui est fait dans le déferlement. Vraiment, encore une fois, pas de retcon. Hein. C'est ça le pire, c'est que le déferlement aurait pu retcon les quêtes de cataclysme, etc. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, le déferlement ne fait que faire des clins d'œil au jeu. Donc évidemment, on va pas aller à l'encontre. Et je rappelle, hein, justement, c'est une carte que j'ai utilisée à Cataclysme, hein, pour la vidéo sur Cataclysme. Voici les théâtres d'opération de l'Alliance et l'Ordre. Et encore, on avait essayé de dire que c'était les grands fronts de conflit, mais on n'a pas été vraiment dans le détail. Il y a tous les petits affrontements, hein, c'est les grands fronts. Et juste les grands fronts, vous voyez qu'il y en a déjà deux autour de Terramort, hein, c'est le sud du Rotar, donc au-dessus du OR de Kalimdor, c'est les Tarides, hein, les Barents, mais également bah, Guée du Nord et tout ce qui est lié à du Rotar. Donc ça se fout joyeusement sur la tronche. Hein. Donc on est vraiment sur un flou complet avec une guerre totale, mais d'un autre côté, bah, c'est la neutralité et c'est presque en fait la paix. On essaye de nous dire non, non, mais c'est pas encore la guerre. Et si, en fait, c'est la guerre. C'est très très étonnant. En tout cas, donc justement, hein, avec tout ce qui arrive, tout ce qui est en jeu devant les agressions de la Horde, puisque Guée du Nord tombe sous les forces de la Horde, Jaina appelle à l'aide et Varian, le chef de l'Alliance, hein, et le roi du royaume d'Azeroth, répond présent, il fait préparer ses flottes de guerre, sauf que ça prendra pas mal de temps. Donc, en attendant, il assigne des troupes qui sont fraîches et dispo pour pouvoir intervenir et aider Terramort, à savoir des troupes de la 7ème Légion. La 7ème Légion, encore elle, hein, elle était là à Wotelka, elle est là à Cataclysme, elle est là du coup à la Transition, elle sera là à BFA, hein, la 7ème Légion. C'est marrant parce que la 7ème Légion, ça implique qu'il y a 6 Légions, mais les 6 autres, on les avait jamais vues, hein, il n'y a que la 7ème. Elle est toujours là, toujours là. Et vous allez me dire, oui, c'est l'élite de l'Alliance. Bah, en même temps, les autres, on les connaît pas, donc forcément. Donc elle est toujours là, la 7ème Légion, hein, il n'y en a qu'une, c'est elle, c'est la 7ème Légion. Et nous aurons donc plein de grands noms de World of Warcraft, je rigole, mais plein de chefs en fait qui sont des clins d'œil à des véritables personnages, soit de la 7ème Légion, soit ailleurs, pour représenter évidemment toutes les races de l'Alliance, pour que les joueurs ne se sentent pas désœuvrés et perdus, hein, parce que s'il n'y a pas un de leur race, bah du coup c'est impossible de comprendre le récit bien entendu. Et du coup nous avons également, hein, pour diriger ces troupes, ces grands, ces joyeux officiers de la 7ème Légion, nous n'avons nul autre que Marcus Jonathan qui s'est déplacé directement pour soutenir les forces envoyées en les forces préventives envoyées par Varian le temps que les flottes de guerre se mettent en route. Jaina va également quémander hein, de l'aide auprès du Kirin Tor, à savoir Dalaran, et le Kirin Tor, donc en tant que consulté, va justement hein, donc c'est Ronin hein, que vous voyez ici qui va être entendu hein, avec la présence également de Khadgar à noter, hein, puisque je rappelle, le Kirin Tor c'est en gros le gouvernement et les membres très importants de Dalaran, et les chefs du Kirin Tor c'est le Conseil des 6. Le Conseil des 6 c'est tout simplement en gros les 6 archimages qui doivent diriger la cité, et Ronin est le chef du Conseil des 6. Et d'ailleurs on note la présence de Khadgar dans le Conseil des 6, hein, on le savait, on l'avait perdu depuis Burning Crusade, donc ah salut mec, merci à toi, tu fais partie des 6, d'accord, pas de problème. Et du coup à ce moment là Dalaran est censé être neutre, mais évidemment hein, c'est neutre que quand ça les arrange, hein. C'était juste les gros le soutien principal de l'Alliance à Warcraft 3 Dalaran, mais voilà, ils sont neutres que quand ça les arrange, il faut faire hommage à Wotelka hein, où ils sont neutres, donc pas de soucis. D'ailleurs à Vanilla c'était absolument pas neutre, et même à Cataclysme on a des restes avec
tout ce qui est le moulin de l'ambre, là, je sais pas quoi, là, entre Ilsbrad et Forêt des Pins Argentés, on a des troupes qui sont encore fidèles à l'Alliance d'ailleurs, mais qui sont de Dalaran, hein, c'est toujours évidemment sympathique. Hein, c'est pareil, hein, eux c'est le marrant, hein, ils sont neutres que quand ça les arrange, ça rappelle un peu Terramor. Par hommage, hein, évidemment, avec l'ancien, mais on y reviendra plus tard. Donc Ronin va participer directement, évidemment, hein, comme Garrosh semble être. Semble crier son mépris vis-à-vis de la paix, eh bien Ronin va intervenir directement et rejoindre avec une partie des forces de Dalaran les troupes de Terramor. Et de son côté, Garrosh a soigneusement préparé son offensive, hein, malgré les réticences des autres chefs de la Horde comme Vol'jin et Bane. Hein. L'assaut, hein, qu'il considère évidemment comme des tafioles, hein, bien entendu. Assaut, c'est un mec viril, hein, il s'enduit d'huile et tout, hein, forcément tous les autres c'est des cons à ses yeux. Donc assaut de Guet du Nord, puis de Fort Triomphe, assaut sur trois fronts menés par Garrosh, par le Nord, par l'Ouest et par la mer, donc par l'Est. Et il a également une botte secrète, encore une fois pour plus de détails, la vidéo sur le déferlement. On va y venir, de toute façon la botte secrète on va en parler, hein. L'assaut maritime du coup va être repoussé dans un premier temps, la porte ouest tient bon face aux vagues de la Horde envoyées par le bras droit de Garrosh, son lieutenant Malkorok, hein, son exécuteur personnel, et la porte nord va tomber grâce à des traîtres elfes de sang, hein, évidemment. Des elfes de sang, des elfes de sang qui sont des saccages soleil, hein, donc des membres elfes de sang de Dalaran, mais ils ont trahi leur vœu de neutralité de Dalaran pour aider Garrosh et du coup aider la Horde. Donc normalement, bah, Terramor était sur le point de tomber, hein, évidemment, on a la Terramor du jeu, donc il n'y a qu'une. Enfin, c'est une fois que la porte est tombée, il n'y a plus rien, hein, évidemment, il n'y a pas de grosses installations défensives comme on avait pu le voir dans Warcraft 3. Donc, intervention du dragon Kalegos, hein, qui fera plus tard partie de Dalaran. Donc Kalegos qui va intervenir et va sauver la situation in extremis. La Horde est repoussée momentanément et du coup une partie des forces de l'Alliance va lancer la contre-attaque en traquant notamment les traîtres elfes de sang saccage soleil, hein, qui sont responsables de la chute de la porte nord. C'est Vereza Windrunner, donc la femme de Ronin, la sœur de Sylvanas Windrunner, hein, donc Coursevent, et notamment Chandris Penlune, Chandris Feathermoon, donc la première générale des Sentinelles, donc la générale en chef des Sentinelles, donc tout simplement la fille adoptive de Tyran des Malfurions et la chef militaire des Elfes de la Nuit, qui vont mener la traque et l'assaut sur différents fronts. Je crois que, je sais plus de tête, mais il y en a un, bah, l'une des deux va au nord, l'une des deux autres va à l'ouest en gros, mais elle s'éloigne de Terramor. Vous allez voir, Vereza, j'en parle parce que c'est assez important ce qui va se passer après. Mais en fait, c'était une feinte, hein. L'objectif de la Horde était destiné à regrouper le plus de monde possible à Terramor afin de frapper très très fort d'un seul coup, hein, l'honorable chef de guerre Garrosh Hellscream, qui va tout simplement utiliser une bombe de mana alimentée par une relique dragon bleu, à savoir l'iris de focalisation. Encore une fois, la vidéo sur le déferlement pour plus de détails. Ça fait bim bam boum. Ça fait vrim et ça fait vroom, on a la chute de Terramor, l'impact va anéantir la ville et tuer tout simplement toutes les personnes se trouvant à l'intérieur. Ça fait évidemment écho bien sûr à Hiroshima et Nagasaki, hein, la bombe nucléaire évidemment. Donc ça fait écho à la bombe nucléaire, ce qui était déjà le cas à Burning Crusade, hein, c'est une création de Burning Crusade, la bombe de mana. Sauf que là en fait elle a été renforcée, hein, magiquement pour faire un maximum de dégâts. Alors dans l'explosion, bah, y a que les bataillons au final de Chandris et Vereza qui vont être épargnés puisque trop loin de Terramor. On a également un navire d'enfants qui peu avant l'assaut avait été évacué, hein, donc on a vraiment les enfants en fait, hein, les enfants. Mais faut pas oublier que dans le tas on a tout simplement, bah, énormément de civils qui sont restés à Terramor pour aider, soit pour servir de milice, soit pour soigner les blessés, etc., soit servir à reconstruire les murs ou autre, hein. Donc on est vraiment sur une tuerie de masse, hein. On est sur un véritable génocide. Et en tant que survivant, il va y avoir aussi les prisonniers qui avaient été faits à Guet du Nord et autres. Bon, il n'y a pas beaucoup de prisonniers, mais il y en a quand même. Et enfin, Jaina qui va être sauvée in extremis lors de la détonation, lors de l'explosion, avec Ronin qui va se sacrifier directement, un seul survivant de la tragédie. Et ça c'est assez dur évidemment pour Jaina. Donc la liste que je viens de vous faire sont les seuls survivants de la tragédie. Énormément de morts, hein, bien entendu, les civils, les militaires, les officiers, tout ça, tout le monde y passe. Et du coup, c'est un véritable génocide, un massacre de masse. Et pour Jaina, c'est sa cité, son peuple, son rêve qui sont anéantis.
Et ça, c'est quelque chose qui la dévaste profondément. Les événements sont absolument terribles pour elle. Ronin, en plus, s'est sacrifié au dernier moment alors que Jaina allait essayer de faire quelque chose. Bon, ça n'aurait pas suffi, mais elle voulait... Elle pensait qu'elle allait mourir avec son peuple, et à ce moment-là, Ronin la sauve in extremis en la téléportant sur une île proche de Terramort, sauf que Jaina, bah, elle n'a plus de famille en fait. Hein. Jaina, elle n'a pas de mari, et à ce moment-là, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de parents, enfin son père est mort, etc. Donc à ce moment-là, elle est très éloignée du reste de sa famille, donc pour elle, elle n'a plus de famille à ce moment-là. Elle a été un petit peu répudiée de Kul Tiras, donc pas qu'un peu d'ailleurs. Mais du coup, bah, elle voit Ronin... qui se sacrifie, lui, qui a sa femme et des enfants, se sacrifie pour elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est profondément traumatisant pour Jaina, évidemment. Et il y a un stigmate de la destruction et qu'elle est échappée au massacre in extremis, c'est ses fameux cheveux blancs. Puisque lors de la détonation de l'explosion, le portail était ouvert. Hein, et au final, elle est poussée dans le portail alors qu'elle voulait refuser de partir. Elle est poussée dans le portail par Ronin, et du coup, le portail va, malgré tout, être troublé un petit peu et va avoir énormément de détonations magiques. Donc, elle n'est pas blessée, mais ses cheveux vont déteindre lors du transfert, en fait, et vont passer en blanc à cause de l'énergie arcanique. Donc ça, c'est le stigmate visible de l'extérieur qu'on peut voir sur Jaina. Donc, c'est quelque chose de très important, cette chevelure blanche. Il reste une mèche blonde, c'est comme s'il restait qu'une partie de Jaina, le reste s'est envolé. Ce qui est assez drôle parce que les cheveux blancs, généralement, c'est aussi pour représenter la mort. Notamment bah, Arthas, par exemple, hein, qui est blond et qui passe à des cheveux blancs. Sylvanas, hein, qui était blonde et qui passe aux cheveux blancs. C'est souvent pour représenter la mort. Et du coup, Jaina va évidemment être pleine de haine. Elle va vouloir punir les forces de l'ordre responsables de la destruction de sa ville, de son rêve. Hein, parce qu'encore une fois, Terramort, c'est un peu une utopie. C'est l'idée que la paix puisse enfin exister et que l'avenir de l'humanité soit là. Donc pour Jaina, c'est quelque chose de véritablement traumatique. Et il y a des restes des forces de la Horde qui pillent un petit peu la ville, qui récupèrent des restes, des choses de valeur, etc. Et notamment qui veulent récupérer l'iris de focalisation qui a été fixé sur la bombe. Il a rien de cassé, hein, pas de problème. et au final, eh bien, elle va tuer les forces de la Horde présentes, hein, les troupes, les maraudeurs qui restent là à piller qui pillent la ville, tout simplement, qui pillent les décombres, devrais-je dire, plutôt. Et elle va récupérer, du coup, l'iris de focalisation au centre du cratère. Et à ce moment-là, elle va avoir une entrevue, elle va se téléporter jusqu'à Stormwind, hein, jusqu'à Hurlevent, pour avoir une entrevue avec le roi, avec Varian, pour lui demander de lancer directement un assaut sur Orgrimmar en réponse au crime, du coup, perpétré par la Horde. C'est un refus de Varian, enfin, c'est un refus en demi-teinte, c'est-à-dire que Varian dit... On peut pas attaquer comme ça, on peut pas renvoyer toutes nos forces sur Orgrimmar. Si on fait ça, y aurait énormément de pertes du côté de l'Alliance, je pense qu'on en a eu suffisamment aujourd'hui. Donc si on doit faire quelque chose, il faut qu'on prenne nos temps. Oui, il y aura des représailles, mais faut qu'on fasse ça proprement et faire ça bien. Surtout que Varian est dans une... On est après Cataclysme, donc Varian est dans une position où il change un petit peu sa manière d'être grâce notamment à son fils Anduin. Anduin Vryn qui essaye de lui montrer que... c'est important de combattre quand il faut savoir combattre, mais d'un autre côté, essayer de lui incorporer aussi cet idéal de paix, hein, que Jaina d'ailleurs a pas mal transmis à Anduin. Et du coup, Varian, bah, justement, il est un peu en mode, bah non. Là, il est dans, il est, enfin, Jaina s'attendait à un Varian belliqueux qu'elle avait pu connaître, par exemple, à Warsaw Lich King ou autre. Mais là, non, Varian, il est en train de changer un petit peu, et bien sûr, il veut faire payer la Horde, mais il veut faire ça proprement, pas juste être aveuglé par sa haine. Donc, il refuse. Jaina va se tourner à ce moment-là vers Dalaran, hein, comme elle l'avait fait au début de la guerre, et Dalaran va également refuser un assaut d'envergure sur Orgrimmar, hein, considérant qu'ils ont suffisamment eu de pertes aujourd'hui. Je rappelle que Ronin, c'était le chef du Kirin Tor, donc le chef de Dalaran, donc de leur côté, c'est non. Et à ce moment-là, eh bien, comme personne ne veut aider Jaina, elle se retrouve isolée dans son deuil, et ça, c'est le moment où elle va péter un plomb, et elle va se mettre en tête de faire payer la Horde. Si personne ne veut l'aider à faire ça à leur manière, et bien elle fera ça à sa manière. Et du coup, armée de l'iris de focalisation, et bien elle se met en tête de déchaîner un gigantesque raz-de-marée, un gigantesque tsunami, afin de noyer Orgrimmar sous les flots, sous un flot de haine, hein, qui est son propre, ça c'est l'image, la métaphore bien sûr. Et Thrall va finalement aider de Calegos réussir à dissuader Jaina de perpétrer cet acte, car à ce moment-là, Jaina ne serait que...
qu'une garoche, hein, bis, et qu'il y a plein d'innocents, hein, qui sont en Grimard et elle ne ferait que perpétrer ce que tout simplement Garrosh a fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est à ce moment-là, il y a un parallèle qui est fait entre Jaina et Arthas. Je me demande si aussi le côté coupe de cheveux était volontaire pour justement faire cet écho à Arthas en mode, bah, aller sur le chemin de la perdition. Et du coup, il lui reste cette petite frange blonde pour montrer qu'elle n'est pas encore totalement noyée. Et au final, c'est le grain d'espoir dans cet océan de tristesse et de tourment. Et au final, elle va se raviser. Elle ne va pas détruire Orgrimmar alors qu'elle était à deux doigts de le faire. Et elle en avait clairement les moyens. Ah, il y avait la sécheresse en Grimard, bam, tiens, tsunami. Et du coup, Terramort, depuis le début de Mist of Pandaria et la fin de Cataclysme, Terramort, depuis, est une ville fantôme, symbole d'une époque révolue. Nous la reverrons à Battle for Azeroth lors des différentes pérégrinations de Jaina. Un jour, on en parlera plus en détail, mais voilà à peu près à quoi peut ressembler Terramort. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que Terramort était une promesse à l'avenir de Warcraft 3, hein, on arrive sur la conclusion, mais Terramort était une promesse à l'avenir, d'avenir à Warcraft 3, le futur de l'Alliance, et le rêve de paix entre l'Alliance et la Horde. Mais le problème, c'est que Terramort ne convient pas du tout au support du MMORPG avec ce côté bifaction, joueur contre joueur, PVP. Alors vous allez me dire, ouais, le PVP pourtant pas central dans Warcraft, je suis d'accord, mais c'est quand même une intention aussi, c'est d'opposer la Horde et l'Alliance. Dans Warcraft 3, la Horde et l'Alliance, et même dans Warcraft 1, alors il n'y a pas d'Alliance, mais les orques et les humains, ils n'étaient pas seuls dans le monde, il y avait d'autres choses qui coexistaient. Et au final, c'est vrai que à Warcraft 3, la volonté était de montrer que la Horde et l'Alliance, ils sont petits, ils sont ridicules, minuscules à côté de ce qui se passe, à côté de ce qu'il y a d'autre. Les morts-vivants, les démons, les elfes de la nuit avec les forces de la nature, les Illidari, etc. C'était pour nous montrer que, ouais, la Horde et l'Alliance, ils sont minuscules dans le monde. À World of Warcraft, on a plutôt beaucoup plus l'impression de cette guerre froide avec le bloc Horde versus le bloc Alliance et tout le reste, de toute façon, va être écrasé, il n'y aura rien d'autre. Alors que pourtant, on dit aussi l'inverse avec des menaces qui sont beaucoup trop fortes et du coup, les deux doivent s'allier contre ça. Mais au final, bah, y a rien d'autre à côté. C'est Horde ou Alliance. La Lame d'Ébène, les Illidari, ils peuvent pas exister. Ils sont soit Horde, soit Alliance. Donc, c'est quand même, en fait, et il y a aussi une volonté qui est très visible dans la fin du roman, enfin dans tout le roman Déferlement, c'est de montrer que Jaina, en restant dans une zone qui n'a pas d'avenir, à savoir Terramort, elle perd de l'intérêt. Je parle d'un point de vue auteur, hein, bien sûr. Donc Jaina n'a aucun intérêt à rester dans une zone morte, entre guillemets, je parle de Terramort au début de World of Warcraft, qui n'ajoutera rien, au contraire, qui tire vers le bas, on est sur du l'ancien, on ne correspond pas au support MMORPG, donc on perd complètement l'intérêt de Jaina. Jaina est un personnage très apprécié des fans, donc on n'utilise pas ce personnage extrêmement apprécié en la laissant à Terramort. Donc il faut la déplacer, il faut la bouger ailleurs, parce qu'on a prévu de raser Terramort, donc il faut qu'on, parce que c'est chiant, hein, c'est une épine dans le pied des scénaristes, Terramort, hein, depuis le début. Donc il faut, hein, ça contredit l'histoire des deux alliances, ça contredit complètement l'alliance, le fait qu'il y ait cette volonté de paix entre Horde et Alliance, ça c'est la merde, donc on dégage tout ça. On va mettre un grand coup de balai, sauf qu'on peut pas tuer Jaina, on peut pas, c'est un personnage trop important, il faut qu'on l'utilise. Elle a plein de choses à dire, hein, Jaina, elle est géniale comme perso, ça on peut pas trop leur en vouloir. Donc il faut qu'il y ait des choses à dire avec Jaina, mais elle perd son temps en étant là-bas. Et littéralement c'est dit dans le déferlement. Il y a des moments, hein, des discussions, notamment avec Kalegos, où il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Tu perds ton temps ici. » Et moi j'étais choqué, j'étais en mode « Mais qu'est-ce qu'il dit lui ?» Qu'est-ce qu'il dit, ce grand dadé là? Dragon noir, brûlez-moi ça! Mais du coup, c'est un moment qui m'a particulièrement énervé. Comme ça, on met un grand coup de balai sur Terramort et plus de problème. Et vous allez voir qu'un schéma va d'ailleurs se dessiner. Je vais en parler, mais en plus, enfin, ouais, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même aussi quelque chose de très important. C'est qu'à Warcraft 3, la promesse d'avenir est présente avec Terramort. Enfin, rappelez-vous que quand vous avez joué à Warcraft 3, l'Alliance, elle part en morceaux. Mais c'est même plus en morceaux. On a l'impression que les scénaristes, ils appuient tel un enfant psychopathe qui est en train de torturer un oiseau ou un oisillon. C'est vraiment genre... Alors, Lord Aeron, ça existe plus. Les elfes, ça existe plus. Dalaran, ça existe plus. Alterac, bon, il n'y a plus grand-chose, mais hop, il y en a encore moins. Bon, Stromgarde, ça on le fera pas, hein, on le fera
On le fera hors champ. Mais Lord Eron, bam, 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 il reste des mecs à Lord Eron, bam, 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 on les tue, on les tue, on les tue. Les elfes, bah, ils ont perdu leur ils ont perdu leur royaume natal, Kel'Thalas, tout ça, tout ça. Donc ils sont obligés de se barrer. Et ben, on va les faire en plus s'entre-déchirer, etc. Boum, ils dégagent. Enfin, l'alliance à Warcraft 3, c'est une catastrophe. Et je dis pas d'un point de vue scénario, hein, je dis les pauvres, ils prennent mes galères sur galères, ils prennent misère sur misère. C'est méga triste, hein. Pour l'Alliance. Et du coup, c'est vrai que le seul, j'ai envie de dire, flambeau, et même les Elfes de Sang, la campagne de Frozen Throne, c'est littéralement les Elfes de Sang qui quittent l'Alliance. C'est pour rejoindre les Illidari. Donc t'es vraiment dans une dynamique où y a l'Alliance, ça n'existe plus. Il y a même une musique qui est là, je vais vous la lancer maintenant, ça s'appelle Last Days of the Alliance. Genre, c'est littéralement, l'Alliance, elle est en train de se détruire, elle est en train d'être détruite. Et même les décombres, on les brûle, on les massacre. Et le seul espoir pour l'Alliance et pour Lord Eron, c'est Jaina, qui déplace montagnes et océans pour pouvoir traverser vers l'ouest et pour pouvoir donner un avenir à l'humanité. Parce que je sais que dit comme ça pour un genre de World of Warcraft, peut-être que vous êtes, oh, il en fait des caisses. Mais non, jouez à Warcraft 3, il y a tout qui est détruit. Il n'y a que Jaina qui sauve ça. C'est la lueur d'espoir, c'est le phare de lumière dans cet océan de drame. Mais Terramor, c'est bye bye, il n'y a pas de problème. De toute façon, les elfes, ils ont récupéré leur Silver Moon. Finalement, Dalaran est flotte. De toute façon, les enjeux de War 3, on les a virés. Donc bon, de toute façon, Terramor, pas de problème. Et on va aller voir qu'il y a un schéma qui va se dessiner, puisque à Warcraft 3, encore une fois, Terramor était la chose qui arrivait à l'Alliance dans l'océan de malheur, comme je viens de vous l'évoquer. Mais Terramor, donc, était l'idée de l'avenir et du renouveau. Une cité censée représenter le passé dans l'avenir. Hommage à Warcraft 2, bien entendu, avec l'idée de l'alliance de Lord Eron, l'idée de l'union de toutes les troupes de l'Alliance et de l'Arne, d'ailleurs, de l'Alliance, pardon, puisque du coup, bah, par exemple, même les elfes qui ont quitté l'Alliance, bah, il reste les hauts elfes, du coup, qui ne sont pas les elfes de sang, il reste les hauts elfes. Donc on a encore les représentants de l'Alliance que les joueurs ont aimé avec Terramor. Là où ça part en vrille complètement de l'autre côté. Et la destruction de Terramor est un outil permettant aux scénaristes de réutiliser Jaina sans l'épine dans leurs pieds et dans leur grimoire, qui est Terramor. Et du coup, la placer, Jaina, dans un lieu de nostalgie de Warcraft 2, Warcraft 3, avec une Jaina gouvernant Dalaran et le Kerin Tor, qui est également un bastion neutre, et en même temps qui est un place... Ah, tiens, 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 c'est marrant. Et qu'est-ce qui va se passer à Légion? Eh bien, donc, on verra plus précisément les agissements de Jaina et de Dalaran, du coup, dans Mist of Pandaria, mais au départ, elle se veut neutre. Finalement, il y aura des agissements qui vont la tourner plutôt vers l'Alliance. Et à Légion, eh bien, il faut faire un hommage à Wars of the Lich King. Donc, Dalaran doit reprendre son statut de neutre, de neutralité. Hein, en pleine extension, on revient à neutralité. Clin d'œil, hein, Twink, pour Wetelka. Donc, on va dégager Jaina, qui est anti-horde à ce moment-là. Donc, et ça va être Battle for Azeroth, qui va être justement le moment de lui redonner une place. Elle a perdu sa place et elle va en récupérer une. Quoi d'autre ? Que sa patrie d'origine, Kul'Tiras, qui est également un hommage à Warcraft 2, puisque c'était directement Warcraft 2, et également à Warcraft 3 avec la fondation du Rotar, etc., etc., vers un truc qui se veut neutre au départ et qui finalement va se tourner vers l'Alliance. Vous avez vu, il y a un pattern, hein, il y a véritablement un schéma qui se dessine pour Jaina. Et au final, BFA va justement faire un énorme boulot concernant Jaina Prodmoor. J'en ferai une vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ferai un jour promis sur vraiment Jaina et son traitement à Battle for Azeroth. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement un miroir inversé de son traitement de Mist of Pandaria. Donc ça, on le verra dans la vidéo sur Mist of Pandaria. Mais c'est vraiment un miroir inversé de son traitement. On va retrouver une Jaina pacifiste, mais alliance et proche de Thrall. On l'avait retrouvée comme ça à Terramor. Lors de la destruction de Terramor, elle va, avec plusieurs épreuves, vriller, partir en vrille, devenir complètement une belliqueuse. Elle va faire le chemin inverse aussi de Varian, c'est-à-dire que Varian était super belliqueux anti-horde, qui va progressivement, avec l'aide de son fils, passer plus pacifiste et comprendre que la paix, c'est quelque chose qu'il faut chérir, etc., etc. Jaina, elle, va complètement passer à l'inverse. Et BFA va ramener, justement, une Jaina qui commence de anti-horde, qui veut faire payer l'horde pour tous les crimes qu'elle a commis, etc., etc., vers une Jaina qui revient un petit peu à celle qu'on connaissait de Warcraft 3, qui fait un petit peu le même travail, je dirais, que Varian à ce niveau-là. Et malgré tout, elle n'est pas non plus la Jaina naïve, mais on revient sur une Jaina qui est beaucoup plus positive, je dirais.
Et Terra Mort, eh bien, vit en elle, en fait. Hein. L'esprit Terra Mort est devenu une utopie, devenu une idée, et elle vit encore aujourd'hui à travers elle. C'est d'ailleurs l'objet des bandes dessinées de Jaina que j'avais décrypté sur la playlist de Battle for Azeroth. Donc on revient à une situation similaire à la fin de Warcraft 3 Vanilla, et c'est terminé pour une nation que j'aime tant, qui a été sacrifiée au service du MMORPG, et nous verrons du coup le traitement de Jaina, comme j'ai dit un peu avant, dans Mist of Pandaria, dans une vidéo qui lui sera dédiée et qui arrive prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin à peu près une heure, mais voilà, Terra Mort c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant, et qui montre aussi que le MMORPG peut amener des problèmes. Le MMORPG amène des choses très positives, Mist of Pandaria, mais également Jaina d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour ce qui est de Terra Mort, eh bien cette nation aura été sacrifiée afin de permettre à l'alliance, on va dire, du MMO de pouvoir rester en place, de pouvoir être légitime et d'avoir du coup une place pour Jaina, parce que le petit port de pêche, bah, c'était trop compliqué. Donc c'est triste, c'est vraiment triste pour Terra Mort. Hein. Je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, si vous a plu, n'hésitez pas à rejouer à Warcraft 3, notamment la Fondation du Rotar, pour vraiment voir un petit peu Terra Mort, et essayez de faire d'ailleurs les campagnes de l'Alliance avec Jaina, ensuite la campagne de la Horde, pour voir justement le moment où la Horde et Jaina vont s'entendre. Ensuite, il y a les Elfes de la Nuit, vous allez d'ailleurs péter la gueule à l'Alliance au départ. Et ensuite, eh bien, il y a la cinématique d'avant la bataille du Mont Igel, puis la bataille du Mont Igel, où on voit justement l'entente entre Force de la Nature, Elfes de la Nuit, Horde, puis Alliance, les trois ensemble. Et ensuite, la Fondation du Rotar, où vous voyez justement les agissements de Jaina, et surtout, vous voyez Terra Mort à l'échelle qu'elle aurait dû être. Et ce qui est d'ailleurs très rigolo, c'est que Reforge aurait pu rendre hommage à World of Warcraft, mais non, ils ont préféré rester fidèles à Warcraft 3, c'est plus simple aussi hein, pour la carte. Mais du coup, bah, Terra Mort est gigantesque, et avec des beaux graphismes notamment, hein, grâce à Reforge. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est dommage, Terra Mort aurait pu avoir beaucoup plus de place, ce n'est pas le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle aussi, parce que c'est vrai que ça peut être un peu dépressif, vu que Terra Mort est complètement sacrifié pour le MMORPG, mais Mist of Pandaria, vous verrez, a fait de très bonnes choses. Le MMO est aussi capable de faire de très bonnes choses. Mist of Pandaria et même Battle for Azeroth vis-à-vis de Jaina ont été excellents. Donc, on se dit à bientôt. La prochaine vidéo, normalement, de la playlist Mist of Pandaria sera Mist of Pandaria elle-même. A bientôt, prochaine. A plus en Pandaria.